ذيك الحش العظيمة ما سرت يا لي رجال الدودي ما يا نفس العالي ذيك الحش العظيمة ما سرت يا لي رجال الدودي ما يا نفس العالي نعبد تدرس فينا ويكش الحمالي القيم اسميك حق السالي كن عبد تدرس فينا ويكش الحمالي Ali Hallelujah, Hallelujah. Ali Hallelujah, Hallelujah. Ali Hallelujah, Hallelujah. Ali Hallelujah, Hallelujah. The kitchi da ma ala zafini kudda, the salam da ma ala zibtini wiliyunza. The kitchi da ma ala zafini kudda. Hallelujah,
شنو التافوس يوكل الذاب غلالنا الساكن شراحي بلا جربة شنو التافوس يوكل الذاب غلالنا نتسايدة من سوق نتسايدة كرامة نسيدي وغلغونا نتسايدة من سوق نتسايدة كرامة نسيدي وغلغونا هاليلويا C'est avec un grand plaisir, une grande confiance que nous pouvons ouvrir la parole de Dieu encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire de Jésus-Christ. Et je vais donc vous raconter l'histoire du salut. Est-ce que vous aimez les histoires ? Oui ? D'habitude, les enfants aiment les histoires. Mais j'ai vu que les adultes aiment beaucoup les histoires aussi. Alors voici l'histoire du salut. Il était une fois, dans un beau jardin, un homme et une femme qui venaient d'arriver.
C'était Adam et Ève. Tout allait bien entre eux. Il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de voleurs, pas d'impôts. Et il y avait dans le paradis terrestre, il y avait un seul interdit. Il y avait un arbre dont Dieu avait dit, celui-là, vous n'en mangerez pas. Il s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit, si vous en mangez, vous mourrez. Alors, l'homme et la femme ont mangé de cet arbre. La femme en a d'abord mangé. Elle a donné à son mari. Et alors, maintenant, ils étaient dans la désobéissance. Il n'y avait qu'une chose à laquelle ils pouvaient désobéir. Et cette seule chose, ils ont désobéi. Donc on peut dire qu'ils étaient devenus désobéissants à 100%. Ils étaient maintenant des pécheurs. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et c'était l'image, la nudité était l'image du péché qui était à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand le serpent est venu pour les tenter, le serpent est venu avec une question. Il a dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas en manger ? Mais il posait la question. Mais il connaissait bien la réponse. Et il savait bien que Ève connaissait la réponse. Alors Ève a dit. Oui, Dieu a dit qu'on ne doit pas en manger. Il lui a dit, non, je vais t'expliquer comment Dieu fonctionne. En fait, Dieu est égoïste. C'est ce que dit le diable. Il a dit, Dieu est égoïste. Dieu est Dieu. Et il veut rester Dieu tout seul. Mais si vous mangez, vous devenez Dieu aussi. Allez-y. C'est bon. Alors ils ont pris, ils ont mangé. Et maintenant ils ont compris que celui qui est menteur, c'est le diable. Mais c'était fait. Alors Dieu est venu. Et eux, comme ils sont tout nus, ils se sont cachés derrière un buisson. Est-ce que vous croyez que le buisson empêchait Dieu de les trouver? Alors Dieu a appelé Adam, où es-tu? Et vous remarquez que Dieu n'a pas dit « Où êtes-vous ?» Il a dit « Où es-tu ?» Parce que c'est l'homme qui est le chef du foyer. C'est à lui de conduire sa famille. Dans le droit, dans la vérité, dans la justice, dans la connaissance de Dieu. Et Adam a dit, j'ai eu peur, je me suis caché. Et Dieu a appelé après le serpent. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Et Dieu a dit au serpent, voilà ce qui va t'arriver à toi. Un jour, un fils d'un fils
D'un fils de ces gens-là, t'écrasera la tête. Et alors, le diable sait bien que Dieu a toujours raison. Maintenant, il savait aussi comment Dieu l'écraserait. Mais Dieu a dit, puisque tu t'es attaqué à l'homme, alors c'est l'homme qui te vaincra. Un jour, la postérité de cette femme t'écrasera la tête. Alors, à partir de ce jour-là, le diable était en guerre contre l'homme, contre l'humanité. Parce que vous avez remarqué que Dieu a dit à Adam et Ève, souviens-toi que tu es poussière. Et que tu retourneras à la poussière. Donc nous sommes de la poussière. Vous êtes d'accord avec ça? Mais qu'est-ce que Dieu a dit au diable? Dans sa condamnation, il lui a dit, tu mangeras de la poussière. Et c'est qui la poussière? C'est nous. Donc, nous voyons qu'il y a une guerre. Une lutte. Pour le diable, nous sommes du gibier. Et si Dieu ne nous donne pas la force, nous n'avons pas de force contre lui. Mais si nous sommes du côté de Dieu, alors le diable ne peut rien contre nous. Parce que Dieu est vainqueur. Alors, à partir de ce moment-là, après Adam et Ève, dans la suite des temps, et dans chaque génération, le diable attendait toujours de savoir quand arriverait celui qui doit lui écraser la tête. Il savait que c'est ce qui doit arriver. Mais il ne sait pas quand. Il ne sait pas par qui. Donc il a attendu. Mais pour qu'un homme puisse le vaincre, il faut que cet homme-là, lui-même, ne soit pas un pécheur. Mais un jour est arrivé quelque chose d'extraordinaire. La chose extraordinaire qui est arrivée ne s'est pas d'abord passée sur la terre, mais dans le ciel. Dans le ciel, il y a eu une sorte de révolution. La parole de Dieu est sortie de Dieu. Elle n'est pas sortie seulement comme une phrase. Mais elle est sortie de Dieu. Pour s'incarner dans un homme. La parole de Dieu est sortie de Dieu pour devenir une toute petite cellule humaine que Dieu a mis dans le sein de Marie. C'était dans le ciel quelque chose de complètement changer. La parole de Dieu
était devenu chair. Bien sûr, pour avoir un fils, Dieu n'a jamais eu des relations sexuelles avec une femme. Son fils est en lui-même depuis toute l'éternité. Mais ce jour-là, le fils est devenu chair. Et c'est quelque chose qui était tellement extraordinaire, puisque ça se passe sur le trône même de Dieu, que le monde spirituel tout entier en était ému. Alors quand cet enfant est né, les parents l'ont appelé Jésus, et il était inconnu de tous. Joseph et Marie étaient des gens inconnus, des petites gens. Mais des savants ont su spirituellement que le roi des Juifs est venu. Alors de l'Orient, ils sont venus pour lui rendre hommage. Et le roi Hérode a entendu parler de ça. Et c'était un roi sanguinaire, un peu paranoïaque, toujours inquiet. Il a dit, comment ? Un roi ? Mais c'est moi le roi ! Un roi ? Trouvez-moi ça ! Allez, liquidez-le ! Alors les soldats sont allés et ils ont tué tous les petits-enfants dans cette circonscription. Mais Dieu avait averti les parents et le petit Jésus qui était parti. Donc nous voyons bien que si l'humanité ne savait pas qui était Jésus, le diable, lui, le savait très bien. Le diable savait que maintenant, la prophétie que Dieu a donnée dans la Genèse, quand il lui a dit « Le fils de la femme t'écrasera la tête », cette prophétie est en train d'arriver. Le diable sait que cet enfant qui arrive est celui qui doit le vaincre. Donc son but à lui, son projet, puisqu'il a échoué à le tuer, son projet, c'est de le faire devenir un pécheur. Mais Jésus a résisté. C'était un enfant parfait. Il a été parfait en tout. Jusqu'à ce qu'un jour, quand il avait 30 ans, alors il est rentré dans le service de son père. Son papa céleste. Et il a commencé à aller de lieu en lieu, annonçant l'évangile. Il disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais le diable a voulu le détruire là. Jésus a été dans le désert, conduit par le Saint-Esprit de Dieu, et là il a commencé à prier et à jeûner. Pendant 40 jours, Jésus n'a pas mangé. Sans doute il buvait de l'eau, mais en tout cas il n'a pas mangé pendant 40 jours. Mais ni le jour ni la nuit, hein.
Et au bout de 40 jours, alors il avait faim. Vous allez me dire qu'on a faim avant 40 jours, hein? Et quand le corps n'a plus de réserve, alors la sensation physique de faim revient. Et c'est ce que le diable a attendu. Quand Jésus n'avait plus de réserve et que la faim est revenue et le corps dit maintenant il faut manger sinon on va mourir, hein? Alors le diable est venu et il s'est présenté devant Jésus et il n'a pas cherché à lui raconter des histoires. Il sait très bien que Jésus le connaît. Et lui, il sait très bien qui est Jésus. Donc, il lui a parlé directement, selon la vérité. Il lui a dit, ok, d'accord, tu es le fils de Dieu. C'est vrai. Mais comment? Le Fils de Dieu qui souffre de la faim? C'est pas possible. Alors, tu es fils de Dieu et tu as faim? Mais regarde, tu prends un caillou, hop, tu fais une miche de pain. Et puis tu manges. Enfin, tu es Dieu, quoi. Et Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors après, le diable lui a montré, vous voyez, le diable avait un système vidéo déjà à cette époque. Il lui a montré la gloire de tous les royaumes de la terre. Il lui a dit, écoute, moi, ici, sur cette terre, tout ce qui concerne la gloire, c'est moi qui gère. Donc, si seulement tu m'adores, je te donne la gloire de tous les royaumes. Mais Jésus a dit qu'on adore que Dieu seul. Alors le diable l'a transporté au sommet du bâtiment du temple à Jérusalem. C'était un grand bâtiment, un haut bâtiment. Il lui a dit, écoute, il est écrit dans la Bible. Et là, vous voyez que le diable connaît la Bible. Il lui a dit, il est écrit dans la Bible que tu peux te jeter en bas parce que Dieu enverra des anges qui vont te recueillir sur leurs mains et ils vont te déposer tranquillement, tout doucement. Pourquoi est-ce que le diable proposait ça à Jésus? Il était en train de lui dire, fais des miracles, des prodiges, pour que de force, tout le monde te reconnaisse, que tout le monde t'adore. Ça paraît étonnant que le diable pousse Jésus à ça. Mais il le poussait à ça pour que Jésus quitte le vrai projet pour lequel il est venu sur la terre. À travers cette tentation, le diable lui dit, sors du chemin du renoncement.
Sors du chemin qui te mène à la croix. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour être un serviteur. Et il est venu pour mourir de la mort d'un esclave. Alors Jésus a chassé le diable. Et maintenant il était vainqueur. Et nous voyons que ces trois tentations sont exactement les mêmes que celles que Adam et Ève ont rencontrées dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le fruit défendu était d'abord un appétit physique. Il était bon à manger. C'est l'appétit physique du corps. Comme pour Jésus, transformer les pierres en pain. La deuxième tentation, la gloire des royaumes, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient vu que ce fruit était beau. Il forçait aussi l'admiration. Il plaisait au sens, à l'intelligence. Et la troisième tentation, c'est la tentation qui s'adresse non pas à l'âme, mais à l'esprit. S'imposer par l'orgueil spirituel. Et dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient été séduits spirituellement parce que le fruit ouvrait l'intelligence spirituelle. Et dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, en mangeant ce fruit, ont été vaincus sur tous les domaines. Le péché est entré dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Mais dans le désert, Jésus a vaincu le diable dans tous les domaines. Il a gardé son corps pur, son âme pure et son esprit pur. À partir de ce moment, il avait une autorité sur le diable partout où il allait. Et Jésus était vainqueur. C'est ce Jésus que nous connaissons. C'est ce Jésus-là qui est notre vainqueur. Et pendant 3 ans, Jésus a proclamé la parole de Dieu de village en village. Mais il y a quelque chose que souvent on ne comprend pas. C'est qu'on a souvent l'impression que pour Jésus, ces 3 années étaient 3 années faciles. Parce qu'il avait la puissance, il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il a ressuscité des morts, rendu la vue à des aveugles nés. Donc ça nous donne l'impression que c'est un parcours de vie facile, triomphant, agréable. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Là où les gens ne le voyaient pas, lui, il était confronté à lui tout le temps. Parce que le diable cherchait toujours l'occasion de lui faire faire un péché.
Donc Jésus n'a jamais eu une journée tranquille. Le diable a cherché à chaque instant toutes les occasions de le tenter. Même le diable a une fois essayé d'utiliser un de ses disciples. Jésus venait d'enseigner qu'il devrait mourir sur la croix. Jésus venait d'enseigner. Et l'apôtre Pierre n'était pas d'accord avec cette idée. Il a dit non, non, ça c'est pas un bon plan. Non, non. Il a amené Jésus à part comme si lui, Pierre, devait expliquer à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire. Non, il lui a dit non, non, faut pas faire ça. Pas du tout. Alors Jésus s'est détourné de lui. Et il a dit, à travers tes paroles, je reconnais celui qui parle à travers tes paroles. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Vous voyez que Jésus était tout le temps sur le qui-vive, même dans ses propos avec ses amis. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Pour nous, la tentation nous est toujours mesurée. Parce que si Dieu ne la limitait pas, nous ne serions pas capables de résister. Mais Dieu limite nos tentations pour que nous puissions résister. Mais Jésus, lui, a été opposé à toute la tentation au niveau le pire. Il n'a jamais commis un seul péché. Alors, quand est arrivé le temps où il devait prendre nos péchés sur la croix, alors il a été crucifié. Et là, Jésus a résisté à toutes les tentations. Qui se sont encore multipliées. Il aurait pu avoir de la rancune contre ceux qui ont planté les clous. Mais plutôt, il a prié pour eux. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était tenté d'avoir de la haine contre ceux qui l'ont trahi, qui l'ont vendu, qui l'ont haï, qui l'ont amené là. Mais il est venu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Jésus souffrait. Jésus souffrait dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Sa maman même était là, au pied de la croix, à 2 mètres devant lui. C'était une tentation. C'était la tentation de descendre de la croix pour arrêter tout ça. Pourquoi Jésus était sur la croix? Est-ce que vous croyez que Jésus était sur la croix parce qu'on l'a cloué? Mais non! Jésus était sur la croix parce qu'il y est allé volontairement.
Jésus pouvait descendre de la croix. Les opposants qui étaient là se moquaient de lui. Il a sauvé les autres. Alors, descends de la croix maintenant. Et sauve-toi toi-même. Jésus pouvait descendre de la croix. Comprenez bien, ce ne sont pas les clous qui l'ont tenu sur la croix. C'est son amour pour nous qui l'a tenu sur la croix. Et c'est là que nous voyons le sommet de la tentation. Le maximum, chaque seconde, à chaque seconde, Jésus peut décider de descendre. Mais à chaque seconde, il décide de rester. Parce qu'il est descendu du ciel pour ça. C'est son but. C'est son objectif. Le diable était là. Parce que c'est son combat. Il sait très bien que depuis la Genèse, Dieu lui a dit, un jour, le fils du fils du fils de cette femme t'écrasera la terre. Et le diable sait que la chose est en train d'arriver. Et il sait très bien que ce Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, sur la croix, n'a jamais commis un seul péché. Il le sait. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne comprennent pas qu'ils ont devant eux l'homme parfait, l'homme divin. Mais le diable sait. Alors il sait que si le plan de Dieu va jusqu'au bout, si Jésus accomplit son projet, alors il sait très bien qu'il va lui écraser la tête. Le diable était angoissé. Ne croyez pas que le diable triomphait. Il savait très bien qu'il est en train de perdre le match de l'éternité. Alors il était inquiet. Il était angoissé. Il usait de tout son pouvoir pour mettre ses paroles dans la bouche de tous les méchants qui étaient là pour tenter Jésus de descendre de la croix. Il disait, descends de la croix. Descends de la croix. Le diable ne connaît pas les plans de Dieu. Mais il savait très bien que si Jésus est sur la croix, c'est sa propre volonté. C'est le plan de Dieu. Et qu'il est en train de réussir. Il avait très peur. Il avait très peur. Il voyait le feu éternel qui arrive. Il suppliait, descend de la croix. Mais Jésus est resté. Parce qu'il nous aimait. Alléluia. Alléluia. Alors à 15h, vers 3h de l'après-midi, Jésus est mort. Pour Marie, pour les disciples, pour tous ceux qui l'aimaient, pour eux tous, c'était une catastrophe. C'était terrible. Ils étaient découragés, désespérés, abattus, vidés.
Il disait, nous avons mis notre confiance en lui. Nous avions cru que c'est lui qui nous délivrerait. Mais voici qu'il est mort. Pour eux, le monde s'était écroulé. Il n'y avait plus d'espoir. Tout est fichu. Et ils étaient découragés. La plupart s'étaient enfuis. Ils étaient loin. Mais dans le monde spirituel, alors Christ était en train de triompher du diable. Et dans le monde spirituel, entre le bois, le pied de la croix et les pieds percés de Jésus-Christ, il y avait la tête écrasée du vieux serpent. Frères et sœurs, le diable est vaincu. Depuis la croix du calvaire, le diable est vaincu. C'est même pas en attendant la résurrection. Dès la croix, le diable est vaincu. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Dans Colossiens 2:15, qui dit que le diable a été vaincu. Il dit, ce verset dit, Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand il est mort sur la croix, sur la terre, les gens croyaient que c'est une défaite. Mais dans le ciel, Jésus était en train de rentrer sur le char de la victoire. Et le diable était lié avec des chaînes. Et il était traîné publiquement en spectacle par Christ qui lui a écrasé la tête sur la croix du calvaire. Frères et sœurs, apprenez Colossiens 2:15 par cœur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et quand le diable vient frapper à votre porte, vous lui dites qu'il a été vaincu, que Jésus a écrasé sa tête en triomphant de lui sur la croix. N'ayez pas peur. J'ai l'impression quelquefois que le diable sait mieux qu'il est vaincu que les chrétiens. Certains ont toujours peur. Oh, mais le diable va trouver une ouverture pour me faire ci, pour me faire ça. Mais qui est en toi? Jésus-Christ est en nous. Jésus est en nous. Un jour, j'étais en Afrique. À Bangui, la capitale du Centrafrique. Et je devais prêcher dans une église un soir. L'église était remplie. Et il y avait même encore des gens qui étaient dehors qui suivaient en regardant par la fenêtre. Donc toutes les places étaient prises. Et voilà que des gens ont amené un monsieur à la réunion, qui était quelqu'un qui était sans doute un peu, qui avait perdu l'esprit. Et après, on a vu qu'il avait aussi des démons. Et comme ce monsieur était très dangereux,
il lui avait mis, il avait des chaînes. Comme des menottes, si vous voulez, au poignet. Et une petite chaîne. Et au pied aussi. Il avait des une chaîne au pied. Donc il était comme ça, il marchait tout doucement. Avec sa petite chaîne. Mais sur son visage, il y avait aucune expression. Aucune expression d'intelligence, aucune sensation. Ses yeux étaient comme morts. Et comme ils n'ont pas trouvé de place pour l'asseoir, finalement, il a fait de la place tout devant au deuxième rang. Donc ils ont assis ce monsieur comme s'ils avaient posé un paquet, quoi. Alors toute la louange a eu lieu. Et il n'avait aucun signe d'intelligence. Il n'était pas là, quoi. Et puis après, c'était à mon tour de prêcher. Et quand j'ai commencé à prêcher, avant de dire quoi que ce soit, avant de dire un seul mot, j'ai juste dit, nous allons lire Colossiens 2:15. Mais quand j'ai dit Colossiens 2:15, alors là, tout d'un coup, les démons qui étaient dans le monsieur ne supportaient plus. Là, tout d'un coup, ses yeux sont devenus vivants. Tout d'un coup, dans ses yeux, c'est comme s'il y avait des flammes. Tout d'un coup, toute la haine, la colère qui était dedans. Tout d'un coup, tout est monté à la surface. Le monsieur écumait. Il s'est dressé quand il a entendu Colossiens 2:15. Il était furieux. Il s'est jeté sur la personne qui était devant lui. Et avec sa chaîne, il voulait l'étrangler. Tout le monde a sauté sur lui. Au nom de Jésus. Et puis on l'a enlevé. Mais j'ai dit, mais ça, c'est intéressant. Les démons connaissent même la référence de Colossiens 2:15. Même ça. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes sûrs que Jésus est vainqueur? Alléluia. Quand nous croyons Jésus, quand nous mettons notre confiance en lui, alors la Bible dit que lui-même, il vient habiter en nous. Il vient habiter en nous. Nous ne sommes plus nous tout seuls. Nous ne sommes pas nous tout seuls voués à des combats qui nous dépassent. Mais nous avons hérité d'une nouvelle nature. Nous avons une nouvelle vie. Nous avons reçu le droit. Le droit légal d'utiliser le nom de Jésus. Jésus nous l'a dit. Il a dit, vous pourrez contacter le Dieu qui est le Père du ciel et de la terre. Et je vous donne le droit d'utiliser mon nom. Alors nous disons, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, le Fils éternel de Dieu, qui a vaincu l'adversaire. Jésus a vaincu la tentation. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu
monde. Jésus a vaincu le diable. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. I'm
fouillis.